Sur cette vidéo, nous allons vous expliquer comment utiliser le liquide de nettoyage cleaner pour déboucher les têtes d'impression d'une imprimante Epson, quelle que soit la référence. Comment procéder? Vous rentrez en force le tuyau dans la seringue. De là, vous ouvrez le petit flacon et vous prenez 1 ml de liquide de nettoyage, liquide nettoyant. Sachant qu'il y en aura un peu dans le tuyau, vous aspirez le tout à l'envers. Voilà. Et là, l'intérêt, vous aspirez de l'air sans le liquide. Et là, vous allez rentrer en force le bout du tuyau dans la pointe des cartouches au niveau de l'imprimante. Vous prenez le tuyau et vous le rentrez en force. Dans l'imprimante, dans la pointe. Voilà, comme ceci, le liquide descend. Et là, la manipulation à faire, c'est tenir le tuyau qui avait la pression en injectant. Vous injectez, vous relancez, vous injectez, vous relancez. L'intérêt, quand l'imprimante va être bouchée, ça va être dur d'envoyer de l'air, mais vous insistez, vous revenez, vous insistez, vous revenez, vous réinsistez. Et ceci va permettre de faire sauter le caillot d'encre qui s'est logé sous l'imprimante et que quand ça a séché. Une fois cette opération faite, vous enlevez, vous remettez vos cartouches dans l'imprimante, vous validez, nettoyage de tête. Faites des impressions, s'il le faut, répétez la manipulation une fois de plus et assurément les buses vont se déboucher et vous devriez retrouver la couleur et des impressions de qualité.